Wilfried, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu l'avion que vous présentez aujourd'hui? Oui, bonjour, je suis Wilfried Dufault, je suis un des trois cofondateurs de la société Aura Aero. Donc aujourd'hui, on est sur le salon du Bourget, le lundi 19. On présente trois avions de la famille Intégrale. Intégrale S, qui est l'avion qui est derrière moi, et qu'on présente aujourd'hui en avant-première, puisqu'on a décroché la semaine dernière notre autorisation pour voler. C'est notre laissez-passer qui nous a été délivré par la DGAC, l'EASA, bien sûr. À côté de cet avion Intégrale S, on présente également l'avion Intégrale R, hein, qui est notre deuxième prototype qui va voler d'ici quelques semaines. Et en complément, en fait, on présente l'avion Intégrale électrique. Qui volera dans combien de temps? Qui est l'avion Intégrale, et comme je disais, à motorisation électrique et à propulsion 100% de batterie, qui va nous permettre de développer en fait nos différents essais au sol dès cet été pour envisager du coup un premier vol. Un premier vol envisagé à peu près à combien de temps? En fait, l'aviation électrique est une aviation qui est en train de s'inventer. On a développé ces derniers mois beaucoup d'essais au sol pour apprendre de l'intégration des moteurs, des batteries, de tout le réseau de protection électrique. Donc on a un premier gros investissement qui a été fait, et là on a un deuxième qui s'applique sur l'avion que vous voyez ici. C'est un premier prototype, et dès que les essais nous permettront d'avoir un bon vol, effectivement on pourra derrière partir faire les premiers essais en vol. Quels sont vos partenaires? Alors sur cet avion Intégrale électrique, on travaille notamment avec Safran, Safran Electrical Power, qui nous fournit le moteur Enginus. Et côté énergie, vous avez des partenaires? Alors côté énergie, on utilise en fait des batteries qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché au travers d'un fournisseur américain qui s'appelle EP System. Qui s'appelle EP System. EP System. Merci.